Il y a cette psy qui secoue Diane, si j'ose dire. Madame, dans le jargon médical, ce que vous vivez, on appelle ça des fausses couches précoces. Et de souligner qu'après plusieurs tentatives, on a transféré à l'intérieur de vous des dizaines d'embryons qui pourraient être vos enfants. On parle de PMA quand cela fonctionne, sinon il n'y a que des deuils successifs. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que parmi les mythes autour de la PMA, il y a l'idée que un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est pas grave, il va faire une procréation médicalement assistée ou alors il va adopter. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des années de galère, ce sont des échecs à répétition, c'est un apprentissage, ce sont des rencontres avec des médecins plus ou moins attentifs, plus ou moins empathiques, et ce sont effectivement des échecs surtout, et qui transforment toute la vie. Et j'avais envie, avec ce livre, de montrer que quand un couple est face à une épreuve, et il s'avère que là c'est la question de l'infertilité, mais parmi vos auditeurs, des couples dans cette situation-là, que ce soit l'infertilité, que ce soit les fausses couches à répétition, ou que ce soit d'autres types d'épreuves d'ailleurs, un deuil, le chômage, une séparation douloureuse, ma question a été: que devient le couple, que devient une histoire d'amour face à ces difficultés-là? Et Diane et Aurélien, ils doivent changer, s'adapter dans leurs projets, dans leurs espoirs, dans leur compréhension de ce qu'ils sont, et c'était ça que je trouvais intéressant, cette ouverture.